Patiente de s'exprimer, hein, Françoise. À tout de suite. Allez, Françoise, justement. Bonjour, mon cher Jean-Jacques. Eh ben oui, très bien. Vous allez bien ? Et vous ? Bon, très bien. Très bien. Michel Barnier poursuit ses consultations. Oui. Pour former son gouvernement. Oui. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je recevrai Arnaud Robinet, qui est maire de Reims, on le sait, qui est Horizon, l'un des dirigeants du parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe. D'ailleurs, Horizon, qui organise ses journées parlementaires à Reims, à partir de demain, chez Arnaud Robinet. Mais Arnaud Robinet a une autre casquette, il est aussi président de la Fédération hospitalière de France. L'hôpital étant dans un état... déplorable, le mot est peut-être un peu fort, mais préoccupant, et j'en parlerai à Arnaud Robinet tout à l'heure. Bien, les grandes manœuvres donc commencent à l'Assemblée nationale avec la bataille des retraites, oui, Françoise. La oui, mère des batailles. La mère des batailles. Jean-Jacques, souvenez-vous, oui. Car on a parfois la mémoire courte, hein, des millions de gens dans la rue en 2023, sans aucun résultat. Hein. Une motion de censure transpartisane déposée par le groupe Yacht, qui est rejetée à 9 voix près, hein, vous vous en souvenez. Le oui. coup passe à si près que le chapeau tomba, et Emmanuel Macron a sorti du chapeau, justement, son 49.3 en mars 2023 pour faire adopter cette réforme qui rallonge l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Les retraites, elles ont été aussi au cœur de la campagne des législatives, largement perdue par la majorité relative sortante. Pourquoi je vous rappelle ça ? Eh bien, pour rappeler que cette réforme, en fait, Jean-Jacques, vous le savez, c'est la clé de voûte du bilan Emmanuel Macron et que son maintien, en fait, a été la condition sine qua non pour tout candidat à Matignon. En gros, tu veux aller à Matignon ? Touche pas à ma retraite. Des millions de gens dans la rue, une majorité battue à plate couture, mais le chef de l'État a exigé, il a obtenu, puisque Michel Barnier, lui, était favorable au départ à 65 ans. Voilà donc les retraites chassées par la porte et qui reviennent, vous le disiez, Jean-Jacques, par la fenêtre, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Michel Barnier, vous avez vu, depuis 2 jours, promène le chien, en gros, hein, en disant, on va regarder pour améliorer, autant vous dire, rien du tout. Mais ça fait un peu village gaulois qui résiste, parce que l'abrogation est non seulement majoritaire dans le pays, mais à l'Assemblée nationale, que ce soit le Nouveau Front Populaire, le RN, le groupe Liot, ou même une partie de la droite. Bien, la course à l'échalote commence donc entre la gauche et le RN. Et qui va prendre de vitesse qui l'autre. Va tenir la barbichette de premier ? Parce que Marine Le Pen, vous savez, a décidé d'utiliser sa niche parlementaire qui permet de fixer l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est le 31 octobre ? 31 octobre. Oh, qu'est-ce que vous êtes bon, Bourdin, non, Jean-Jacques. Non, je suis pas bon, j'ai un peu de mémoire. Ouais, on a travaillé un peu, hein, c'est ça. La gauche qui ne veut pas subir ce piège, hein, imaginez le RN qui dirait « Allez, viens voter avec moi contre l'abrogation », eh bien, elle demande depuis plusieurs semaines l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale en septembre. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire que cette session extraordinaire, c'est l'une des prérogatives du chef de l'État. La plupart des gens ne le savent pas. Il peut décider de l'ouvrir ou pas. Ça paraît compliqué qu'il refuse, puisque beaucoup de groupes la demandent, à part les macronistes, bien sûr. Et que ferait la gauche dès l'ouverture ? Eh bien, la proposition de loi, la PPL, déjà rédigée, serait déposée et donc, a priori, votée. De son côté, la CFDT, parce que c'est un acteur majeur dans cette histoire, eh bien, la CFDT pousse sur le plan syndical en demandant à minima une suspension avec cette phrase qui va vous faire rire, très amusant. De la patronne de la centrale, il va bien falloir parler de l'éléphant dans la pièce, hein, c'est-à-dire l'âge de départ à 64 ans. Vous voyez le tableau. En fait, Jean-Jacques, c'est un mur qui se dresse devant Michel Barnier. Parce que même si la réforme n'est pas abrogée, malgré une victoire en première lecture, imaginez le symbole en septembre, là, tout de suite, dans quelques jours. La politique, ce sont des symboles forts et une assemblée vent debout qui ferait tomber la clé de voûte de l'édifice politique d'Emmanuel Macron. Eh bien, ça laisse assez peu de doutes sur l'avenir du bâtiment entier, c'est-à-dire ce bâtiment, le gouvernement Barnier. Françoise Degoy, avec nous le mardi matin et avec nous tout à l'heure. Avec Elisabeth Lévy, pour un débat très attendu entre 8h et 8h30. C'est ça. Sur l'antenne de Sud Radio, 7h49. C'est à vous dans un instant.